Pourquoi t'as décidé de te faire un tatouage sur le dos sur le thème des Indiens, mec? Je trouve que ça me correspond bien. Ça symbolise la liberté parce que les Indiens d'Amérique vivaient en toute liberté et faisaient ce qu'ils voulaient. Ça représente la tranquillité d'esprit, tu vois. C'est pour ça que tu veux un arrière-plan paisible et tranquille, c'est ça? Ça représente bien qui je suis. Je prétends pas être quelqu'un d'autre avec ce tatouage. Je comprends, t'as raison. Tu veux qu'il soit entièrement en couleur, c'est bien ça? Ouais. Ok, ça marche. Bon, je suis presque prêt. Assieds-toi, enlève ton t-shirt et on va pouvoir commencer. Ma vie pourrait pas être pire en ce moment. J'ai l'impression de ne plus pouvoir me raccrocher à quoi que ce soit, à part mes dessins et mon talent. Ça m'aide à évacuer mon stress. Pour l'instant, j'essaie juste d'apercevoir la lumière au bout du tunnel. Je vis au jour le jour, et voilà tout. Take off, my heart ain't been seen since I've been a teen. A male of my kind, that's seldom seen. More sweat, more tears, more blood is a perfect recipe I chefed up with no gloves. Perspective of a man, embodying a hustle, respected as a champ. Ollie on a shuffle, Mother Earth gave birth to a gift that would curse. Still a last, and for that same reason I'm in first. Got bienvenue. Je vous écoute. Je m'appelle Richard Duncan. Je suis là pour m'enregistrer. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Ça marche. Ça rigole pas. J'étais soulagé d'apprendre que mon frère avait payé ma caution. Je suis toujours du mauvais côté des barreaux, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe.